Ok, donc, on en est où? Ce qu'on va faire, Edge et Pollux, vous allez prendre le premier rêve. Ah non, Pollux, non, en vrai, tu restes avec nous, c'est déjà assez chiant pour toi. Je vais être compatissant. Edge et Zoko, vous allez prendre le premier rêve. Edge et Zoko, donc bien dans le boss hein, pour prendre le premier rêve. Le deuxième, ça sera Gigi et Sappho qui prendront le deuxième. Non, prendre le troisième, excusez-moi. Janebi Twitch, ça va être nous deux pour le deuxième. Et troisième, Gigi et Sappho s'il y a un troisième. Donc n'oubliez pas, Edge et Zoko, quand vous avez le portail, vous le dites bien pour que le groupe 2 s'avance. Et pareil, nous-mêmes, Janebi et moi, on le dira. Pour que le groupe 3 s'avance. Sap, tu te concentres que sur les chaînes. Ok. Pollux, tu prendras le tout premier kick. Et Zoko, dès que ton CD hop, tu kicks. Peu importe okay. Le casque que tu vois. Tu vois un casque, ton CD hop, tu kicks. Voilà. Ok pour tout le monde. Je mets le string sur Niven pour la distance. Et voilà. Pas de questions. En P2, on se spread bien. Zap, tu entreras bien dans le boss. Et Niben et Cinda, vous me le tenez. Gigi, à toi l'honneur. Allez, bien au cac, les deux concernés. Zoko et Edge, bien dans le boss. Pollux, et la tête du... Ok, c'est bon. Bien sur le boss. Voilà, impeccable. Ça, bien sur les chaînes. Impeccable aussi. Collez bien le portail, hein, quand vous l'avez. Pollux, dès que c'est up, on sait les pareils. Hein. On kick. Je sais que c'est pas tout de suite, hein, mais dès que ça sera up. Ok, on se. Janebi, go, parce qu'ils nous ont pas call. Janebi, viens au cac. Viens dans le boss. Ok. On y va. Oh, je l'ai one shot en fait, c'est rapide. Ouais. Ouais, laisse-moi faire au pire. Si tu veux les taper un peu, hein, c'est pas. Ouais, histoire que ce soit pas inutile, quoi. Bah, faut qu'on en ait un portail en fait là. Ah bon non. On en a pas, hein, faudrait qu'on en ait un, ça serait bien. Non. Ah, voilà, il a pas. Ouais, go. Putain, ok. C'est bon, ah, spread tout le monde. Phase 2. Sap bien dans le boss. Les autres, les ouais, cacs. Okay. Max range et Hambourg. Opération, vous lui péter la gueule. Il m'a envoyé quand même une fois dans le rêve, j'ai pas compris. Ouais, ça, c'est normal, c'est normal. C'est pas grave. Ça, doigt sur l'impôt, tu dois encore l'avoir. Tu tombes à moins de 20%, ouais, même 30%, c'est un pokage, d'accord. Cindela, dispel, c'est pour toi. Genevi, aide au dispel, c'est un peu de mana. Sap qui a un pot, très bon call. J'ai un pot. T'as bien fait. Allez, on tient ça. Vous êtes dans la E, bouge-le. Bougez. Pivotez un peu. J'ai claqué la popo. T'as bien fait. Par contre, j'ai plus rien, Lille. Ouais, bah. Allez. Il va y avoir des morts. On fait avec. Ça va le faire. C'est bon. Oh, un peu plus short, mais. Ok. Ouais, j'ai dit l'amulette. Ouais, je res. Tac. Ah bah tiens. Ah bah y'a le coup de ça. Alors, raisez les gens. Je savais pas, moi j'ai le loot. Si personne need, pourquoi pas. Je regarde. C'est qu'il est mieux que celui que j'ai actuellement, mais j'ai déjà loot. Merci. Et de rien. Putain, mais pourquoi ça me met ça quoi? Je peux pas voir tes jambières, j'ai la bite à celle de Akumai, c'est ça? J'ai celle-là. C'est Akumai, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une Ben. Hop là. Je sais que j'ai eu tissu, mais c'est le seul futal, c'est celui que j'ai accordé au druide, dans lequel il n'y en a pas en druide deal.
Et par contre, c'est le jambier de la Goumet, je vous les donne. Au caster DPS. The Cotton Collier. Ok, non. Et Sab, c'est pour toi le collier. Merci. Ok. Allez, go activer le bazar. En mort sur Kadris, ça va. On a été un chouïa lent en DPS. Hein. Clairement, on a été plus lent que d'habitude. Ouais, bah, de toute façon, non, c'est pas de bon tuyau, c'est plus vu. GG qui a littéralement divisé son DPS par deux, c'est triste. Hein. T'avais fait 212 la dernière fois, t'as fait 104 là. Alors que t'es resté tout le fight sur le boss, on est d'accord. Oui. Ouais, je te blâme pas, hein, c'est, je sais que je. Je sais à quel point le War est triste en Windfury. C'est pas la teuf, hein. Moi en tank, ça me va. Oui, en tank, sans tranquille, j'ai pas besoin de gérer l'agro, c'est nickel. Ah oui, forcément. Y'a que moi qui te casse les couilles sur Gamora. Quoi. C'est ça, toujours sur Gamora, je sais pas pourquoi, c'est le rituel, on le sait. Bah, c'est parce que je tape comme un bœuf, hein. J'ai fait 250 de l'épée. C'est vrai, hein. c'est vrai. Y'a pas. Sans vouloir me branler, hein, à un moment, les chiffres sont là, quoi. Pas non plus. C'est vrai. Mais moi, j'ai cherché le bon côté, tu vois, pour essayer de. Mais non. Non, j'arrive pas. Tout ce qu'il faut que tu fasses sur Gamora, c'est que tu gardes bien ton tome, tu dois toujours l'avoir pour l'utiliser uniquement quand je le reprends. Donc tu l'as pas le claqué au début ton taunt, ça. Tu vas prendre l'aggro de base sans taunt et le taunt il est là pour reprendre, pas pour prendre l'aggro. Et ça, ça devrait aider logiquement. Parce que je te la reprends pour une fois toutes les 10 secondes, t'as 10 secondes de CD. Ouais. Parce qu'en gros, ce qui te reprend l'aggro, c'est montrer du chaos. Et je l'utilise une fois toutes les 10 secondes. Ouais, je te vois à chaque fois qu'il part, je vois putain. Voilà, sur Gamora, pour vous donner un peu une idée, mon trait du chaos moyen, sachant que ça n'a pas critique, c'est 1094. C'est-à-dire que chacun de tes castes a fait en moyenne 1094 de dégâts. Donc à notre niveau, c'est vrai que c'est plutôt beaucoup. Mais c'est vrai que logiquement, c'est que ça qui te reprend l'aggro, et comme c'est une fois toutes les 12 secondes, on va d'abord pouvoir tenir. Avec un. Vivement la phase 2, je prendrai 100% de dégâts critiques en plus avec un point de talent. Complètement dégueu. Et moi j'ai pas remettre des points dans la branche DPS. Je veux bien rebuff les gens. De toute façon, on va en faire un full rebuff là. Pour ceux qui a. Là pour les morts et autres. Allez-y, le full rebuff. Edge, s'il te plaît, on a chaque ID un foutu chasseur qui fait du caca. Ne sois pas ce chasseur aujourd'hui, s'il te plaît. Je t'en serais gré. Mais non, mais bon, si tu fais de la merde, tu tues le raid. Donc tu fais comme tu veux, mais tu ne prends pas ce putain de souffle. Please don't. Ça serait cool. Ne prends pas. Tac tac, un chameur de mon échasse, voilà. Ah, mais j'ai pas. Ah, oh, mais j'ai oublié de remettre mon axe. Voilà, sinon, le reste, vous connaissez. Je veux bien sagesse sur mon. Sap, sur mon bête. Ouais. Les... On récupère un peu de mana. Attends. Il faut que je joue avec ça. Si vous avez des bénés à changer. Genre Zoko, remettre ton exercice si c'est pas déjà fait. Tu l'as déjà fait, impeccable. Tout le monde il est prêt? Sab, Zoko? Ok, vas-y, Gigi, charge en premier quand même. Ok. Comme d'hab, on tient bien Sab jusqu'à la phase 2 où il pourra. Bulle, pas avant, s'éloigne bien. Et on fait. Le premier sou va pas tarder. Faites gaffe. Allez, c'est parti. Pivotez bien. Regardez où je suis, les casters. Voilà, mettez-vous parfait. Ah bah, Edge, tu peux te mettre là, d'accord. Je t'aurais dit de te mettre au début, mais ça marche. Ok. Pas de problème. Whatever, moi, je vais te dire. Souffle, pivotez. Stack sur Sap, on est pas mal au niveau DPS, continue comme ça. Il va passer en phase 2. Yep.
Allez, phase 2, je vais connecter comme un bœuf. Les heals, vous avez de la mana. Après, je peux me mettre une pierre, hein. Vous emmerdez pas en fait. Me aidez pas pour l'instant, voilà, juste une récup au pire. Mais je me mets. Bon. Allez, c'est parti. Dès que tu prends un ou deux stacks d'ombre, au deuxième stack d'ombre, tu... Bah, vas-y. J'ai dû là. Oh, ouais, ouais, l'addon il a fait oula oula oula. T'as un addon pour Diacambule? Non, 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 c'est quand ma vie descend en dessous des 10%. Allez, préparez-vous au souffle, attention, ça va pas tarder. Hein. Go, piloter. J'ai une interface modifiée, mais je me respecte quand même. Prochain souffle bientôt. Attention, pivotez bien. GG, 100 morts, c'est super. Bien joué tout le monde. Ouh, ça faut, tu vas être content. Oh mon dieu. Ouais, ah bah, Edge, de toute façon, à l'arba. C'est pour toi. GG. 6 AG, gratuit. Toujours sympa. Les bots. Janébi, un petit deux parts. Ah bah non, tu peux pas. Eh bah non, t'es couturier. Eh bah non. Vie de merde. Cindela, t'as quoi, toi? J'ai déjà. Pollux, un 3 parts. Donc tu les as déjà aussi. J'ai déjà. Va chier. Vous êtes insupportable, là. Vous êtes jamais content de mes loot. Supportable, ces gens. Donc Janébi, il peut pas, parce qu'il est couturier. Cindela, il a déjà. Pollux, il a déjà. Et moi, je m'encarre le cul. Et bah, je prends quand même pour Dez. Ok. Ceux qui n'ont pas la perle et qui n'ont pas loot, est-ce qu'il y en a? Pas la perle et pas loot. Ouais. Vas-y. Cindé une fois, Cindé deux fois. GG, Cindé là. Pourquoi? Parce que t'as eu un loot ce soir, Pollock, c'est ça? Je sais plus, t'as eu quoi d'ailleurs. Tu t'auras pas la perle. GG en tout cas. C'était clean, rapide. Non, rien. J'ai pas compris. T'as rien eu? Pourquoi ta parole alors? Attends, je suis largué. Ah non, que t'auras. J'ai pas compris. T'as dû vouloir dire un truc. Attends. Non, bah, ah, t'as déjà la perle, ok. Ou t'as, tu l'avais dit qu'il y aurait pas de tissu ce soir, c'est ça? Ah si, il y a du tissu. Il y a pas eu de tissu pour toi, mais il y a du tissu par contre. Nuance. Ah, en vrai, après, il te manque quoi? Attends, factuellement. Il te manque la robe, ok, ouais. En soi, qui est vraiment important, je regarde un peu ton stuff. T'as quand même pas un si mauvais stuff, hein, parce que globalement, le stuff du phoenix, il est quasi bis. Ça va être pas d'enlever, putain, non, je veux pas être raide, je regarde ton stuff. Côté anneau, t'as les deux bis. T'as pas la bis arme, mais t'as le bis main gauche, bis baguette, bis brassard. En soi, c'est que t'as un stuff quasi bis, Pollux, hein. Là, la seule chose qui te manque vraiment, c'est vrai que c'est la ceinture, la robe et le collier. Mais sinon, le reste, ça ne changera pas grand-chose. Hein. La dague, il faudrait gagner un peu de spell power, mais surtout la robe, quoi. Robe et collier. J'aimerais la tête naga et la robe pour le deux parts. Yes, ouais, ça, je comprends. Ça, je comprends, mais t'as quand même t'as vraiment déjà un bon stuff. Hein. Après, là, t'as fait 95 sur Akumai, je crois. Ouais, c'est pas mal, 95, là, sur Akumai, en macheux. Le combat a un peu duré en plus, donc... Dis-toi, t'avais fait 80 la dernière fois, t'as gagné 15 de DPS. C'est énorme, hein, 15 de DPS. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et j'étais pas en... T'as regardé l'évocation. Ok, je comprends bien. Et sur Kelriss, après, 76, c'est pas si mal non plus. Je fais 80, je crois, donc, pour te dire, c'est pas... Foire en fraise. Oh, c'était pas si mal, hein. Ah bah... Foire en pomme, il kiffe les... Enfin, Onamatata, il kiffe les fruits. Hein. Ok, et Kaamelott. Eh bien, GG, oui, est-ce que les gens ont besoin d'enchant? Je suis devant la banque de Darnassus. Sur vos armes, sur vos colliers... sur vos colliers, pas du tout, sur vos brassards. Sur vos capes, sur vos bottes. Faire des poignées. Eh bah, go trade, je suis devant la banque, j'ai tous les enchants, j'ai tous les compos. Venez, on est bien. Putain, je te vois pas. Twitch money, ok. Cap, y'a quoi de bien? En caster que là. Ça se vend bien, hein. Pardon? J'ai vendu une partie des compos que j'avais là, ça se vend bien quand même à l'AGB. Hein. Ah, bon, bah écoute, ouais, t'as raison, faut vendre. Profite-en. Où j'en vende aussi, j'en ai ce que je compose de guild, mais je vais quand même les vendre hein, pour la guild pour le coup, parce que ça,
On en a vraiment. Il y a des trucs qu'on a en quasi infini, quoi. C'est assez un délire. T'as d'autres trucs ou pas? C'est tout. J'ai la cap, je sais pas ce que t'as sur cap. Ah, cap, si, en tank, je sais pas trop mal. Il y a que en caster, c'est un peu nul. Si, ouais. Si, cap, je peux mettre 1J. C'est toujours ça ah. Pris. Bah, écoute. C'est. Alors, on s'optimise, on s'optimise. Ah, c'est ça. Ouais. Hein. Attends deux secondes, elles sont en banque, par contre. Un petit instant. Un agi par-ci, un de force par-là, à la fin. Ça te fait l'équivalent d'une pièce de stats, en vrai. Avec les... Quand t'as toutes les stats cumulées, genre les 3 forces brassard, un agi bot, un agi cap, ça te fait donc 3 de force, 2 agi, et le all-carac plastron. Avec tout ouais. Ça, en fait, les enchantes font l'équivalent près d'une petite pièce de stuff. C'est vrai que c'est pas si mal. Ah, vas-y, go trade. La lumière, ah, attends, toujours pas des os. En fait, il faut que je les sépare. Voilà. Voilà, je suis bien stuff là maintenant. Ça commence à être pas mal vos stuff, c'est ça? Ah oui, ouais. Bon, juste le bâton, je pense, et puis c'est bon. Pas le plus simple à avoir, néanmoins. Merci. Ah bah ouais. T'as 4 PVP, moi. Putain, j'ai la flemme de la faire. Et puis un bijou PVP, faudrait que je fasse un peu de PVP là. Merci, Ice. Pas de soucis. Bon, GG. Je suis parti comme un voleur. Qu'est-ce qu'on a vraiment entre autres? Je check un peu, qu'est-ce que je peux vendre sans. Sans grèche. Alors. Oh! Ah oui, ça d'accord, il y en a vraiment beaucoup là. Bonne chance à vous. Il y aurait un enchant à Stormwind. Nope. Je peux pas venir. Salutations. Bon, c'est pas tous les gens, mais j'ai des pales à fouetter, moi j'ai une usine à faire tourner, donc je vous laisse. Bonne soirée. Ouais, ah, je suis pas là, bonne soirée sur Palworld. Merci. Bonne soirée à tous. T'es pas là quand t'as dit? Samedi? Samedi, ouais, ça fait un petit moment que je me suis... Pas de soucis, pas de soucis. Je ferai tous les autres raids après. Là je vous dis ce soir, je vais créer des raids jeudi 8, jusqu'au mercredi 7. Résultat, et vous pourrez comme ça vous inscrire. Ah non, c'est... Bonne soirée, merci pour le raid. Bonne soirée, je quitte aussi Discord, salut tout le monde. Ciao. Alors, le problème c'est que j'ai tellement de merde en manque là. Il faudrait que j'aille vendre. Allez-y. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux vendre comme compo? Je peux vendre ça, on en a vraiment beaucoup. Je peux vendre des éclats. On en a. Ouais, il y a de quoi faire. On va déjà aller vendre tout ça. Est-ce que je vais avoir assez de PA pour payer les frais de... les frais liés à ça. Voilà. Bon, c'était cool en tout cas le raid, c'était clean. Impeccable. C'était clean et bien joué. Je suis content, j'ai battu les nouveaux records, moi, avec mon démo sur Gamora. J'ai sur Aquanis aussi, 172. Gamora, j'ai fait 250, c'est pas mal quand même. Sarvès 170. Gelia, c'était pas ouf, effectivement. 95. 85, je devrais essayer d'atteindre les 100, ce serait pas mal. Orgugette, c'était bien par contre. Kelleris, ouais, bon après, c'est flingué si je voulais aller dans le truc. Bah, 138, c'est correct. Sans être incroyable. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux. Ah, ça, Kakuma, il faudrait que je mette le lac de feu. Oh, oui, non. Il faudrait que je pense à mettre le lac de feu sur. Alors, combien ça vaut les compos? Voyons voir ça. Les essences de magie supérieure, ça vaut... Ouh! On est à... 4 PO les 10? Il y a un problème, je vais les mettre à 250. Alors, il y a moyen de faire un peu de thunes pour la guilde impeccable. 2 PO 50, tac. Tac, ça en a vraiment beaucoup.
World Buff qui revient. Ok, ensuite, les gros éclats. On est à combien le pack de 10? Il n'y en a pas en fait. Ah, c'est les packs de 20 même. 2 PO 20. Ouais, ouais, je peux mettre 5 PO, je pense. Je peux essayer. Ah, mais il faut que je mette 24 heures. Putain, je suis un connard avec ça. J'oublie à chaque fois de mettre 24 heures. J'oublie. Attendez, si je mets pas de minimum, ça me baisse le truc là, non? Bon, bien. Des poussières étranges. Ouais, je monte, je pense, le minimum. Ils les vendent combien les stacks de vin? Ils les vendent. Super. Ok. Ah, comme ça. On va les vendre ici. Ok. Je peux vous aider. Ah, la phase 2 avec le Lemo, ça va tellement étouffe. Bien, j'ai beau le tortiller dans tous les sens. De toutes mes classes, je pense que c'est celle qui va le prendre le plus gros up. Parpet le War. Avec le War, la frappe mortelle, c'est un très gros truc. Mais le démo, 100% de dégâts en plus sur les crit. C'est pas mal. Bon, okay. Oh, bah voilà, plus de place dans le sac. Ça fait plaisir. Alors, c'est quoi cette bagnole? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette Batmobile là qui m'a envoyé? Mais ça se commande, ça, ce truc? Arc Rebelle. Là, c'est une concept car, donc tu me mets. Bon, ça, des livraisons record. Ouais. Shooting Black. Ok. Je comprends pas. Mais elle existe ou pas, cette voiture? C'est joli ça. Effectivement, là, on est sur la bonne Batmobile là. Allez, on bloque le World Buff. La banque. Voilà. Impeccable. Je répare aussi un de ces quatre. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore les deux anneaux bis. C'est vrai qu'il me faut le deuxième anneau idéalement. Le bâton, je l'aurai pas. Il me faudrait le deuxième anneau, c'est ça. Le deuxième anneau et les jambières de. Ah, les gants surtout, c'est avec les gants de Kelriss. Un autre Kelriss, gants de Kelriss, j'aimerais le courir. Je suis pas encore loin d'être fou ça, en vrai. Avec mon démo. Encore quand même de la marge. Encore un truc à faire. Ok, tac. Ben voilà, et en plus ça a pu faire de la place comme ça. C'est chouette. Allez-y. Ouais, la baguette. Non, mais à quel moment un d'esprit c'est mieux que 5 intel? Par contre, Indela, il a craqué. Il n'y a aucun monde où un d'esprit c'est mieux que 5 intel, mais bon. Il a craqué le Cindela, il a craqué. Faudrait que je rachète des compos. Et là, les compos, on en a vraiment trop, il n'y en a plus les masses en vrai. 20, non, ça va pas tant que ça en soi. Essence astrale, on en a vraiment pas en marge. Mais pourquoi j'ai encore ces trucs-là? Ça fout les vendre. Tac. Ok, on est bon.